Nous allons nous attarder ce matin sur l'actualité des tendances, voilà, en ce qui concerne les tendances du jour, les tendances de la semaine. Voilà, actuellement, Luluna est en train de revenir. Donc, Luluna, durant les 24 heures, a fait plus de 17%. On voit ici Pépé qui a un peu redressé. Pépé a redressé. Il était monté à. Il était à 0,15 durant le week-end. Actuellement, il est à 0,12 ce lundi. Lorsqu'on redescend, on voit ici. On voit que le Nama a encore gagné de la valeur, une crypto-monnaie qui a été listée sur Binance depuis et qui a créé pas mal de millionnaires dans son temps. On voit ici, bon, nous allons aller directement en ce qui concerne les tendances à la semaine. Bon, pour la semaine, le Luna est vraiment en force, le Luna est en train de revenir en force là. Le Luna est en train de revenir en force. Le Luna, c'est pas le Luna, ça c'est le Luna classique, pas le Luna classique, voilà. Luna classique, parce que ça, c'est le Luna qui, dont plusieurs personnes ont perdu de l'argent. Donc, cette semaine-ci, Pépé est au rouge, voilà, parce qu'il a, comme ça, il est à moins de 7%. On voit ici le Ludo également qui a gagné de la valeur. Neo a perdu de la valeur. Nama a pris un peu de la valeur. On voit ici que le CFX a perdu de la valeur, voilà. On voit ici. Pépé a perdu moins 67% durant ce mois, durant le mois. Bon, lorsqu'on fait le calcul sur un mois, donc sur un mois, il a perdu moins 60%. Parce qu'il faut se dire que le dernier ATH de Pépé était de 0, je crois c'est 0,30 ou 0,40. Donc, de toute façon, nous allons vérifier cela tout de suite. Nous allons vérifier son dernier ATH. Le dernier ATH de Pépé était de combien? Son dernier ATH était de 0. Son dernier ATH était de 0, ça c'est le 3 juin, il est descendu à 0,11 le 4 juin, avant de remonter encore à l'heure. Ça c'était le 4 juin à 14h, il est redescendu encore à 11 avant de remonter encore dans de son ATH. Donc je vais aller sur la plateforme CoinMarketCap, je vais aller sur CoinMarketCap pour avoir une visibilité vraiment complète. Complète. Je vais aller sur CoinMarketCap, voilà, CoinMarketCap ici, là je suis sur CoinMarketCap. Là, je vais avoir une visibilité complète. Voilà, ici, là, on voit très bien que le Luna classique durant la dernière 24 a fait comme ça plus de 28%. Voilà, donc je vais aller directement. CSS, l'investissement dans le minage du Bitcoin. Voilà, ça, c'est une autre information que je vais partager avec vous tout à l'heure. Donc, avant cela, je vais d'abord aller vérifier mes diamants. Voilà, vérifier mes diamants d'abord. Voilà, vérifier mes diamants. Je réclame mes diamants. Ok, c'est fait. Je viens comme ça de réclamer mes diamants. Ok, c'est fait. Mes diamants ont été réclamés. Voilà, on va voir alors la crypto-monnaie Pépé. Vous allez voir que son dernier ATH. Son dernier, actuellement, il est à 0,11. Actuellement, son dernier ATH était combien? On va voir le ATH était de 0,40. 5,040. Donc actuellement le plus bas, le prix le plus bas ici était de 8,02. Le prix le plus bas, 8,02. Donc actuellement il est en train vraiment de chuter. Voilà. Si je veux entrer dans ce marché, si j'ai 1000 dollars, ça me fait combien de pièces? Si j'ai 1000 dollars, ça me fait environ près de. Oh, on a avoisiné presque le milliard. Avec 1000 dollars, on a presque le milliard. Presque le milliard en termes de pièces. On a presque le milliard en termes de pièces. Voilà. Imaginons demain que Pépé brûle 1-0. L'argent que vous faites. Voilà. Donc, les gars, c'était juste l'information du jour. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à interagir avec nous en commentaire. Donc, les gars, lorsque je l'ai dit, retrouvons-nous de l'autre côté. Bye bye. Et puis, c'est tout. Abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo à l'échelle internationale afin que nul n'ignore.